qu'on appelle une vue au ras du sol. Pourquoi ? Et parce que je ne me suis même pas mis debout. Mine de rien, il est pas mal cet endroit quand même. Hein? Je dis mine de rien, il est sympathique cet endroit. Ouais, c'est très agréable. Hein? C'est très agréable. Voilà, Cairn, en fin de journée. Température 30 degrés, 28 degrés. Et c'est le lagon artificiel de la ville. Il y a la mer. De crocodiles et des méduses, eh bien, on aura fabriqué un lagon artificiel à l'intérieur. C'est très sympathique parce que c'est propre, c'est bien entretenu. Et voilà, je veux dire, l'environnement est propre, confortable, il y a tout ce qu'il faut pour se déshabiller, doucher, etc. Et c'est au centre-ville. Je crois qu'on est plus, non? Tu crois pas? Hein? Je suis quand même. Tu dis ça parce que tu es modeste. C'est vrai, c'est ce que je disais tout à l'heure. Cairn, c'est une grande ville, finalement. Parce qu'elle fait à peu près 80 000 habitants. Et à peu près l'équivalent de Nouméa, sous la même latitude, très exactement. Mais Nouméa fait beaucoup plus petite ville provinciale. C'est plus coquet, Nouméa, c'est plus sympathique. Ça a le cachet français, qu'on le veuille ou non. Hein, français des colonies. Alors qu'ici, c'est carrément la ville moderne. Bon, même si, effectivement, elle est agréable. C'est incroyable, hein. On va aller regarder le parc. Hein, oui, oui. Voilà, là, c'est un... On va le faire maintenant. C'est, comment dirais-je, le sanctuaire du... Thank you. Tout à l'heure. Le sanctuaire de la cuisine rapide, du fast-food. C'est un marché de nuit. C'est le marché de nuit. Alors voilà, il y a de quoi acheter à bouffer là. Et puis le manger ici. Là. Voilà. C'est bon, c'est climatisé, c'est très sympathique. C'est une propreté méticuleuse. C'est formidable. Et là, tout autour, il y a le magasin. Et c'est ouvert jusqu'à minuit, c'est ça? On appelle le marché de minuit. Il est ouvert jusqu'à quelle heure? Minuit. Minuit. Tous les jours. On y vend de tout ici. Du cache-poussière pour les cow-boys des stations. Voilà, ils mettent ça sur leurs habits pour éviter de... à la fois de... trop transpirer parce que c'est isotherme un peu. Pour les empêcher d'avoir de la poussière. Ouais. Beaucoup de commerces, donc 70% sont tenus par des Asiatiques. Comme si tout le commerce australien, le commerce de proximité australien était tenu par des Asiatiques, qui vendent d'ailleurs de l'excellente qualité. Ah bon, bon, je dis ça parce que j'étais un peu raciste. Et en tout cas, c'est pas cher, je veux dire, c'est ça. Hein. Ah, mais comme en France aussi, on achète. Je veux pas les faire faire en Et comment Non. Comment en France aussi, de toute manière, on achète toutes de l'asiatique. Ouais. Et que c'est la même qualité qu'ici. Ici, au moins, ça a la vertu d'être moins cher. Mais faites attention, je vais dans le droit aussi. Ben, toujours, je vais faire quelque La mer. Mariotte. Le Wharf. Pour l'autre fois, j'avais dormi ma casquette dans l'eau. Que j'étais récupéré sous le quai. Voilà. Quand je suis redescendu sur les escaliers, qu'est-ce que je vois affiché? Interdiction formelle de descendre, risque de crocodile. C'est pas beau ça. Ça les gêne pas, elle? Qu'est-ce que c'est qui les gêne pas? Hein? Quoi qui gêne pas? D'avoir cette famille.
Il nous reste 7 minutes. On n'est pas au marché là. Vous allez ? Non, bah, pas tout de suite, on va continuer à se promener et puis il reste encore 6 minutes. Eh ben alors c'est bon, Étienne. Ben, ouais, ben, ouais. Non, on va prendre l'ambiance là, c'est bien. Cette ville de Cannes est une ville trépidante. Trépidante. Température 28, 7h20. L'heure où les grosses chauves-souris arrivent. Voilà, très bien. Juste pour avoir le bonheur d'entendre le bordel que font les oiseaux dans les cocotiers, c'est une horreur. Au moment où le soleil se couche. Ça fait un sacré bordel les oiseaux, hein, les piafs. Et les bêtes que je suis qui sont en train de tourner et de virer. Hein. C'est bon pour la musique des oiseaux. C'est doux, c'est beau, c'est calme. On entend les petits oiseaux qui font pis. C'est en train de s'en piffrer, de s'en plâtrer une assiette. Là-bas, de poisson. Elle est bien cachée. Où est-ce que je la vois? Je la vois plus, j'ai perdu du. Ah là voilà, tiens, là-bas, on la voit dans le coin là-bas. Voilà, on a été au restaurant asiatique, je ne sais pas si c'est thaïlandais, nippon, chinois, j'en sais rien. L'ambiance est extraordinaire, c'est génial. La vie. On est en train de se dire qu'à part les restaurants romains et les restaurants chinois, il y avait beaucoup de restaurants romains, italiens et restaurants chinois. Ici en Australie, plus particulièrement ici à Cairns. Oui. 8h moins le quart du soir, nuit noire, température 27, léger vent, léger alizé, agréable. Gens décontractés, pas un seul bougnoule.